Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeau News. Tout de suite, nous commençons avec le magazine Carrefour, votre magazine pour les émigrants. Et ils sont partis à la rencontre des 20 ans du RESI. Le RESI, c'est quoi? C'est simplement le réseau interculturel d'échange du savoir pour les femmes. La célébration d'un anniversaire, c'est aussi l'occasion de dire aux personnes qui ont fait un bout de chemin avec nous ce qu'on leur doit et de les remercier. J'aimerais d'abord remercier toutes les femmes qui sont fidèles au réseau et s'y impliquent d'une manière ou d'une autre. Le réseau, c'est vous qui le faites en y apportant vos savoirs, vos expériences dans un esprit de solidarité et de partage. Votre créativité, votre générosité et votre cœur. Aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans du réseau interculturel d'échange de savoir pour les femmes de F-Information, qui est une activité que nous avons depuis donc 20 ans. Et nous célébrons ça avec les membres du réseau et puis tous les amis du réseau. Alors, le principe du réseau, c'est que les membres elles-mêmes font toutes les activités. Donc, on n'invite pas de personnes qui sont des acteurs ou actrices professionnelles. Toutes les personnes, tout ce que vous avez allez voir ici comme spectacle, il y a eu une pièce de théâtre que les femmes ont joué pour la première fois de leur vie dans cette pièce de théâtre qui était magnifique. Il va y avoir un défilé de costumes traditionnels. Ensuite, il y aura des danses de Bolivie, de Kurdistan et du Burundi. Et ça, ce sont les femmes qui le font bénévolement parce qu'elles aiment contribuer aux activités du réseau. Le réseau interculturel d'échange de savoir, ce sont essentiellement des rencontres pour les femmes. Ce sont des rencontres mensuelles, une fois par mois, le troisième jeudi du mois, où on se rencontre entre femmes suisses et femmes migrantes pour échanger autour d'un thème. Donc le principe du réseau d'échange, c'est de partager des connaissances, des activités, apprendre à mieux se connaître, tout ça dans un esprit de solidarité. Donc le réseau, c'est en principe d'abord des rencontres mensuelles, ensuite des activités qui sont organisées par une de mes collaboratrices qui met en contact les femmes qui ont envie de faire des activités ensemble. Donc c'est le principe d'un réseau d'échange de savoir. Une femme peut proposer un cours de français, une autre en échange propose la cuisine. Il y a des cours de français qui sont donnés à F-Information, des cours d'informatique, il y a de la couture, il y a de la fabrication de bijoux. Et tout ça, c'est sur la base du bénévolat et de la réciprocité. Les rencontres se passent à F-Information. Nous sommes au 67 rue de la Servette à Genève. Et c'est le troisième jeudi du mois. Donc la prochaine rencontre, c'est le 15 mai. Et le réseau est ouvert. La rencontre du jeudi est ouverte à toute femme intéressée à rencontrer des femmes de divers horizons culturels, sociaux. Enfin, c'est vraiment la diversité. Bonsoir tout le monde. Buonasera. Salam alaikum. Nous sommes du Maroc. En 2013, la fréquentation a été de plus de 1000 personnes. Cette plaque tournante, accueille les femmes qui désirent trouver un travail, apprendre, échanger, quitter leur solitude, tout cela mélangé et avec bien d'autres motivations encore. J'aimerais vous dire que le bureau d'intégration ne servirait à rien, ça ne serait qu'un service et des fonctionnaires de plus qui attendraient le vendredi, qui attendraient les vacances, qui attendraient la retraite, si nous ne servions pas à ce que c'est, ce que j'ai vu ce soir, ce que je vois un peu partout et ce qui se fait, parce qu'il n'y a pas des pièces de théâtre, il y a encore beaucoup d'autres choses, eh bien si on n'était pas là pour permettre à ces choses, à ces gens de travailler. Donc vraiment, c'est plus que des remerciements que j'adresse. C'est des félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Dans notre série des timelapses, cette semaine, nous partons à Chicago. Tout de suite, la Minute Zen. Thank you.
les sorties cette semaine, nous retrouvons le tout dernier Bordeaux Zap numéro 31, le concert de Parabellum à Balélec, un match de foot, le Lausanne Sport moins de 21 contre la Chaux-de-Fonds. Et nous retrouvons Sylvain qui est parti interviewer un vigneron suisse en Grèce pour Suisse-moi. Et comme chaque semaine, notre belle nature. C'est tout pour le Bordeaux News cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.